Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le temps additionnel de Crédit Suisse Super League. On va vous remontrer tout ce qui s'est passé lors de cette soirée de première division helvétique avec deux matchs qui étaient au programme. À mes côtés, fidèle au poste depuis 17h30 maintenant, la soirée commence à être longue, messieurs. Carlos Varela et Tibère Pont, bonsoir messieurs. Bonsoir. Sans trop vendre la mèche sur les résultats, sur ce qui s'est passé dans la soirée, Carlos, est-ce que vous avez un MVP de la soirée? Bah, je prends un Bernois, Kanga. Kanga qui a beaucoup pesé sur l'équipe quand même championne de Suisse, qui nous a régalé avec un but assez joli, on le verra plus tard. Et puis avec les arrivées qu'on connaît, Nsame, Iten, il faut encaisser ça, il faut montrer qu'on est là, et je pense qu'il a quand même montré qu'il est en place et puis qu'il faudra être plus fort que lui pour prendre sa place. On reverra en effet son but un tout petit peu plus tard dans la soirée. Tibère, même type de question. Est-ce qu'il y a une belle surprise sur l'ensemble de cette soirée? Je dirais l'équipe de Winterthur dans son ensemble. Je n'ai pas spécialement envie de mettre l'un ou l'autre plus en avant que ça. Ça a été une belle soirée, hein, comme on l'a dit, de reprise pour Winterthur, avec beaucoup d'abnégation, beaucoup de courage et puis une belle image montrée devant leur public. On va rentrer rapidement dans le vif du sujet. La première rencontre de cette soirée, c'était IB face au FC Zurich. On s'attendait à pas mal de spectacles, honnêtement, dans ce premier match. Avons-nous été servis? La réponse avec Stéphane Amoruso. Le champion en titre face à son prédécesseur, on ne pouvait pas rêver meilleure affiche pour lancer cette nouvelle saison de Super League. Un Wankdorf à guichet fermé, des supporters ultra chauds comme la météo. Tout est réuni pour que cette fête du football soit belle. Et il n'y a pas eu de round d'observation dans ce choc à l'image du duel entre Tsessiger et Nyonto après moins de 3 minutes. Young Boys veut clairement marquer son territoire. Il faut ensuite attendre la 39e minute pour voir ce match de reprise s'enflammer. Ce sont d'abord les Zurichois qui combinent bien avec ce centre de Nyonto qui trouve Tosin dans la défense bernoise. Il faut un miracle de Von Balmos pour éviter le 1-0. Les joueurs de Raphaël Vicky partent ensuite en contre-attaque dans la continuité de cette même action. Fabian Rieder monte le ballon et le donne à Fasnacht. Le relais entre l'ex-Tounois et Kanga est ensuite splendide. Mais comme pour le FCZ, la finition n'est pas au rendez-vous. La faute à la bonne sortie de Brecher. Les choses s'accélèrent en début de deuxième période. 52e corner de Marquezano, tête de Camberi et nouvelle parade de Von Balmos. L'action se poursuit, Krasniqi tente une frappe qui est freinée par le bras de Vincent Sierro. Les Zurichois réclament la faute de main, la VAR intervient et l'arbitre Sandro Scherer va visionner les images avant d'accorder à juste titre le pénalty. C'est le spécialiste maison Antonio Marquezano qui se présente devant le portier bernois, mais contre toute attente, il rate complètement son affaire, lui qui n'avait manqué que 2 de ses 23 pénaltys tirés dans sa carrière. La scène du pénalty, c'était décisif pour le match. Jusqu'au pénalty, on a bien fait, on a bien joué. Je pense que c'était en 50-50, on avait eu des très bonnes occasions. Si je marque le pénalty, je suis sûr que le match va finir. On peut gagner ce match-là. Ce raté aura de fâcheuses conséquences pour le champion en titre, car le premier but de la saison tombe à l'heure de jeu. Garcia adresse un centre pour la tête de Fasnacht qui devance Guerrero et ouvre le score. Rien à faire pour Brecher cette fois-ci. Sonné, Zurich va recevoir un nouveau coup sur la tête à la 77e. Nias lance parfaitement Cédric Eaton entré un quart d'heure plus tôt. L'ex-joueur des Rangers se joue d'un Guerrero décidément peu à son affaire avant de tromper Brecher sous la transversale. Young Boys va saler l'addition 4 minutes après le 2-0. Camberi effectue une horrible relance sur Eaton qui en profite pour transmettre à Kanga. Ce dernier voit Rieder seul au deuxième poteau. Le ballon est parfaitement dosé et ça fait 3-0. Zurich n'y est plus et Young Boys rigole. Le club de la Limate va boire le calice jusqu'à la Lie.
85e, Fastnacht trouve Kanga dans la surface. Le franco-ivoirien trompe habilement un Brecher désabusé pour le 4-0. Young Boys frappe donc à grands coups contre le champion sortant méconnaissable. On ne pouvait pas espérer meilleure entame de saison pour Raphaël Vicky et ses hommes. L'année passée, ça ne s'est pas passé comme on voulait. Et puis voilà, on a bien travaillé pendant la préparation et on veut vraiment aller chercher quelque chose cette année. Mais voilà, c'est que le premier match. Mais c'est bien de voir que ceux qui sont rentrés ont fait la différence. Ils tiennent son premier match, il met un magnifique but. Donc voilà, on a poussé jusqu'au bout et ça montre la qualité de l'effectif, aussi ceux qui n'ont pas joué aujourd'hui. Et donc c'est comme ça, en équipe, qu'on pourra faire quelque chose de bien cette année. Répétition générale réussie pour IB avant de débuter la saison européenne jeudi prochain en Lettonie. Franco Foda et Zurich devront eux se remobiliser avant leur déplacement mardi en Azerbaïdjan. 4-0 donc pour Young Boys contre Zurich. Tiber, si je vous dis IB taille patron aujourd'hui, vous êtes d'accord ? Le score le dit, mais il est un peu plus sévère que ce qu'on pourrait laisser penser. Pardon. La physionomie du match a été un petit peu spéciale. On a vu un match équilibré jusqu'au pénalty. Et après, IB a su trouver la faille. Et puis après, Zurich s'est complètement écroulé mentalement. Ils ont eu un passage à vide total, blackout, et puis des erreurs défensives qu'on a vues dans le résumé qui sont assez horribles. Donc, Zurich, vraiment un faux départ et il va falloir vite digérer ça pour mardi prochain. Parler de digestion, c'est vrai que là on a l'impression que Zurich n'a pas digéré le pénalty raté, c'est le tournant du match. Ouais, il est quand même à la 54e minute. Après, c'est clair que dans ce match-là, où ils étaient prudents, c'est pour ça qu'IB, ça n'a pas été non plus un excellent IB avec des vagues comme on connaît d'habitude IB pendant les 4 ans où ils étaient champions. Ils étaient prudents, personne ne veut perdre le premier match, l'entraîneur de Zurich n'a pas demandé de pressing, donc cette prudence nous a amené à cette scène. Maintenant, avec la justesse technique IBA, peut-être que ça aurait quand même fini sur 1-1. Mais voilà, l'importance de ce premier but, en effet, quand il y a autant de prudence de la part des deux côtés, peut souvent être la scène du match. Vous me parliez, Carlos, de Wilfried Kanga, hein, au tout début d'émission. Peu importe la concurrence, lui, il a quand même montré qu'il était bien là, un assist, un but, pas n'importe quel but qui plus est. Voilà, il faudra faire attention à ce joueur. Hein. Oui, et surtout qu'il a... Il a pesé sur une défense. Souvent, les gens vont regarder que les stats, les buts, les assists, mais il a pesé, il a fait des assists qui n'ont pas été au bout, mais qui avaient potentiellement le poids d'une assist. Et puis, évidemment, il a vu le mercato, il n'est pas bête. Il voit Kaiten qui arrive, il sait quand même qui c'est, qui a déjà fait ses marques en Suisse. Nsame, il a plus besoin de le présenter. Donc, il se dit, je suis là, et il l'a montré, en tout cas aujourd'hui, et ce n'est pas dû à tout le monde. Hein. Il y en a qui abandonnent, qui disent, vous preniez tel et tel, donc moi, vous n'avez plus besoin de moi, puis je ne fais pas le job. Ce n'est pas IB, normalement, qu'on a cette mentalité-là, mais en tout cas, oui, il a montré qu'il est là, et pourquoi pas faire comme si Batcheux, qui était au départ aussi pas très, très convaincant, et qui a fini meilleur buteur du championnat. J'aimerais faire un petit comparatif avec le FC Bâle de la saison dernière. C'est vrai que Bâle, début de saison, ils mettaient 6-1 à leurs adversaires, Esposito, Cabral, tout le monde tournait. Là, on a l'impression que ce IB-là est très fort, 4-0 contre le champion en titre. Attention, euphorie. Oui, peut-être qu'il y a une petite euphorie qui va s'installer, mais c'est toujours mieux d'avoir des succès derrière soi que l'inverse. On a vu l'armada offensive de IB, qui, je pense, est quand même plus impressionnante que celle de Bâle la saison passée, je pense, au début. Donc, sur la longueur, à mon avis, IB a en tout cas les épaules pour tenir le rythme. Après, on sait que la constance est le plus dur à garder dans un championnat. Donc, on verra bien, mais en tout cas, sur le papier, IB, effectivement, est très, très bien armé. Si je peux te... intervenir, si on regarde, pour moi, ce n'est pas du tout la même chose. Quand on regarde aujourd'hui l'équipe d'IB, c'est des joueurs qui connaissent le championnat. Confirmé, c'est des retours. C'est, Bâle, sur ce super départ l'année dernière, c'était des trouvailles. Et puis, ça continue. Pour moi, Bâle va continuer en prenant des joueurs... Voilà, pour les relancer, pour les revendre, IB, c'est jamais été sur cette dynamique. Donc voilà, pour moi, c'est pas comparable. On a déjà lancé le sujet FC Bâle. Alors, les Esposito et Cabral ne sont plus là. Mais l'équipe rhénane était également en lice ce soir du côté du néo-promu Winterthur. Avantage, évidemment, hein, sur le papier au Rhénan face à la nouvelle équipe de cette Super League. Mais ça ne s'est honnêtement pas forcément passé comme prévu pour le FC Bâle, avec la première action à la troisième minute déjà, une perte de balle des Bâlois, de Fabien Frey en l'occurrence, et derrière ça va très vite avec un excellent Samir Ramzi.
Ouais, Ramizy qui fait tout juste sur cette action, feinte de frappe. Il met dans le vent le défenseur et il la cache petit filet, c'est absolument parfait. Et c'est un départ idéal pour le FC Winterthur qui a lancé leur match, qui leur a donné confiance, qui a donné l'élan également au public. Voilà, après Bâle, on a vu que dans les duels, pas là. Dans l'impact, pas là, très peu inspiré offensivement, en tout cas sur la première mi-temps. Ça a été un petit peu mieux en deuxième mi-temps, mais ils n'ont jamais vraiment réussi à mettre l'emprise sur le match et puis à déstabiliser véritablement ce bloc zurichois. C'était l'objectif, entre guillemets, de Winterthur, de rentrer tambour battant, montrer, ok, nous on est à domicile, on va vous montrer qu'on a le niveau, montrer même à une équipe comme Bâle, ok, on est là les gars. Je pense pas. Je pense que même eux ont été surpris de mener aussi vite 1-0. Peut-être qu'ils ont été surpris aussi de voir Bâle qui n'avait pas de solution, parce que Bâle n'a pas dominé Winterthur. Voilà, c'est clair et c'est dit. Puis ils ont profité sur la première erreur, avec de la classe, hein. L'assist qui est vite joué, Ramizy qui fait tout juste. Donc je ne pense pas que c'était dans leur plan de mener aussi vite dans le match, mais voilà, ils l'ont fait et ils ont assumé derrière en plus. On va enchaîner, il y a des actions baloises hein, dans cette première mi-temps. Maintenant qu'ils sont menés 1-0, eh bien, les Balois vont tout de même réagir avec tout d'abord ce coup franc et ce tir de Katerbar. On voit un sublime arrêt là, de Poukaï sur la latte et ensuite un raté d'Amdouni. Oui, Amdouni qui a plutôt l'habitude de les mettre au fond, celle-là. Il a fait son match, le gardien également. Alors là, la claquette est quand même assez remarquable parce qu'il est un petit peu surpris, il est un petit peu masqué. Le ballon vient assez vite malgré tout. Voilà, très bel arrêt du gardien. Là, effectivement, il ne voyait pas forcément le ballon arriver. Là, on retrouve Amdouni face à Poukaï. Là, Amdouni joue bien le coup. L'arrêt est plus facile hein, cette fois-ci, mais Amdouni joue bien le coup. Oui, oui, l'enchaînement, techniquement, il est parfait. Hein. Il contrôle le pied droit, il part à droite, il revient à gauche. Donc, il met dans le vent son défenseur en 1 contre 1. C'est très difficile d'enchaîner ensuite du pied gauche et puis mettre une frappe en pleine lucarne. Il se l'écrit toute seule, cette action. Ce n'est pas au reflet, ce n'est pas une domination baloise qui a permis ça. C'est Amdouni qui, avec sa technique, s'est procuré cette occasion qui aurait pu finir au fond, mais il en fallait un peu plus aujourd'hui. Quoi. C'est vrai que le FC Bâle, notamment dans cette première mi-temps, a eu énormément de peine à se créer des occasions de but dans le jeu. Là, on a vu que c'était principalement des longs ballons. On a d'ailleurs sorti une séquence à la 32e minute, une séquence analyse pour vous. Là, Carlos, il manque quelque chose côté Bâlois. Oui, c'est une séquence que toute la mi-temps, ça a été comme ça. C'est que Winterthur s'est mis derrière le ballon quand Bâle avait le ballon. Et Bâle, dans les 30-40 mètres, avec une possibilité. Là, ils avaient qu'une possibilité, c'était de jouer avec Burger. Et ensuite, ils enferment les Bâlois à 3 contre 1, à 2 contre 1, jusqu'à qu'ils ressortent. Alors, ça demande beaucoup de courses qu'ils ont fait pendant 90 minutes. Mais ça montre aussi, d'un autre côté, où Bâle n'avait aucune solution dans la dernière zone, dans la zone 3, dans la zone de vérité. Et c'est pour moi Berner qui a gagné son match contre Frey, mis à part le résultat ou l'égalisation qu'on verra plus tard. Mais en tout cas, Bâle très très limité et ça me surprend qu'à moitié parce qu'on ne voit pas un jeu, on ne voit pas une équipe se dégager depuis 2-3 ans. Donc ça ne m'étonne pas. En tout cas, c'est un message pour les futurs adversaires de Bâle. Compact, discipliné, ça va causer des problèmes à Bâle. Et si je prends les futurs adversaires de Winterthur, là, on voit une équipe regroupée qui ferme les lignes. On a presque l'impression de voir un FC Vaduz d'il y a 2 ans. Est-ce que ça va être comme ça toute la saison? Est-ce que Winterthur peut réussir ce genre de match toute la saison? Bon, ben, chaque équipe joue avec ses armes. Hein. C'est clair que Winterthur n'a pas forcément les armes techniques pour avoir une emprise sur un match. Donc, ils vont jouer avec leurs atouts, selon le schéma que leur entraîneur leur donne. Et puis, s'ils arrivent à se sauver comme ça, tant mieux pour eux. Chacun fait avec ses qualités et ses atouts. C'est le néo-promu. Voilà, là, je pense quand même qu'ils ont montré, même si c'était bien sûr un match défensif pour eux, et ça va sûrement être des matchs défensifs toute la saison pour eux, avec une mentalité, on peut se sauver en Super League, je pense. Mais il n'y a pas eu que de la défense, que de la combativité, puisque Winterthur aurait très bien pu marquer le 2-0. On a parlé d'une mauvaise entame de première mi-temps pour Bâle, mais que dire de la deuxième? On est allé à 17 secondes de jeu, si ma mémoire est bonne, avec cette première occasion. Et là, un très bel arrêt de Marvin Rihitz. On va d'ailleurs en voir un deuxième derrière, là. Honnêtement, Bâle était à deux doigts du gouffre. Oui, c'est clair. Mais après, la justesse, la simplicité des actions de Winterthur, c'est en deux passes, dans le dos de la défense. Et ça, je peux vous dire, vous pouvez jouer toute l'année comme ça. Et même si l'adversaire sait à l'avance, hein, ils vont nous attendre. Il y a des équipes au niveau international où on sait à l'avance qu'ils vont nous attendre puis qu'ils vont nous contrer. Hein. Regardez le Real Madrid l'année dernière, on savait quelle était leur spécialité. Ça n'a pas empêché d'aller au bout de la compétition. Donc ça peut être la tactique de Winterthur cette année. Bon,
ce qu'il faut juste ajouter, c'est que j'ai senti une équipe qui aime défendre. J'ai eu des entraîneurs qui m'ont souvent impliqué ça en disant il faut qu'on arrive à aimer défendre. C'est-à-dire un tacle, on va le fêter comme un but. Alors on va pas monter sur le grillage, mais vraiment d'aimer défendre ensemble. S'ils arrivent à faire ça, en tout cas aujourd'hui, ils ont montré qu'ils ont aimé défendre. Ils l'ont fait ressentir. Parce que c'est le petit pousset, parce que tout le monde nous condamne peut-être avant. Je répète, il n'y a pas cette pression du relégué direct à la 10e place. Si Bernier arrive à amener ça, qu'il avait amené à Kriens d'ailleurs, très très bien, avec un jeu de transition rapide en 2-3 passes, eh ben, il peut être compliqué à jouer pour tout le monde. Alors je ne sais pas si on a l'occasion de revoir cette occasion de la 56e, mais j'aimerais juste vous entendre, Tibère, sur la défense de Bâle. On a vu aujourd'hui un Nasser Djiga qui était quand même à la peine. On n'était pas à Bâle, là on était dans l'Emmental, il y avait quand même des trous béants entre Pelmar et Alors tactiquement c'était compliqué. Dans les duels, c'était compliqué. On a vu qu'il se sent toujours, en l'occurrence, Djiga, passe acharné sur lui, mais il a vraiment eu une partie un petit peu difficile. Regardez, là, il signifie à son coéquipier de revenir, lui, alors que, bon, à un moment donné, il faut prendre ses responsabilités. Et puis, le joueur qui est le plus proche, il faut aller défendre sur lui, il va être seul au but. Donc, effectivement, quelques erreurs, sûrement aussi un petit peu de jeunesse, parce que, bon, 19 ans, hein, sauf erreur, donc... Beaucoup à apprendre encore, il y a du potentiel, il y a du physique, techniquement il est pas maladroit, mais il faut qu'il prenne de la bouteille, c'est clair. Les défenseurs balois vont finalement plutôt bien s'en sortir, puisqu'il n'y aura qu'un but dans l'escarcelle de Winterthur, et d'ailleurs il y aura un but de l'autre côté, puisque l'égalisation va venir des pieds de Wouterburger suite à une très très belle occasion entre Burger et Hamdini. Oui, c'est la seule fois qu'ils ont réussi à percer dans l'axe. Il a fallu au départ, en plus ça part un peu, je pensais que c'était Lang qui allait faire l'action, c'est Burger qui prend l'initiative. Et il s'appuie sur Hamdouni qui au niveau timing fait tout excellent parce qu'il l'a mis en deux touches. En une touche, je pense que ce n'était pas suffisamment. Et le tir est brossé, propre. Cette action est très très propre. Je pense que c'est ce qu'ils ont cherché dès le départ. Ils se sont entêtés à chercher que ça. On ne les a pas vus utiliser les ailiers. Et puis voilà, c'était quand même mérité. C'est vrai qu'on a toujours le petit... Voilà, on aime bien quand le petit poussait là. Mais coup de chapeau quand même à Winterthur. Qui est quand même aujourd'hui là avec des joueurs qui était en Challenge League l'année dernière. Ce n'est pas une adresse qui s'est emballée et qui a dit on va peut-être prendre le 18e d'IB, on va relancer le remplaçant de Saint-Gall. Ils ont fait confiance à ce qu'ils ont. C'est qu'un match, évidemment. Mais voilà, c'est aussi bien à signaler qu'avec des joueurs à étiquette Challenge League, ils ont réussi à prendre un point mérité quand même contre Bâle. Il y a un joueur qui montre très bien ce que vous mentionnez, Carlos. C'est Matteo Di Giusto. Il n'était pas à Winterthur la saison dernière. Il vient de Vaduz. Mais c'est un joueur qui vient de la Challenge League. Et il va se créer la plus grosse occasion de cette fin de rencontre. 77e minute. Là encore, Pelmar Djiga, il y a mieux à faire. Et derrière, il aurait dû avoir but. Il aurait dû avoir but. Il élimine proprement le gardien. Et puis après, il n'a plus qu'à cadrer un petit peu mieux sa frappe. Est-ce qu'il sent revenir Lang? Je pense pas, mais Lang fait quand même une belle intervention. De nouveau Djiga, alors dans l'intervention, c'est assez catastrophique. Hein. Il se jette comme ça, le pied en avant, aucune chance d'avoir le ballon. Ça aurait pu coûter cher. Heureusement pour Bâle, Vaduz n'a pas eu la justesse finale nécessaire pour empocher ses 3 points. On en rit un tout petit peu hein, pendant la rencontre. On parlait de pneus crevés pour Alex Frey à la fin de ce match en cas de défaite. Là, Michy Lang, il sauve un tout petit peu son entraîneur sur ce premier match. C'est Di Giusto qui sauve. Là. Il n'y avait rien à faire. Là. Le ballon lui reste un peu dans le pied. Non, mais on l'a vu qu'il était nerveux. On a vu comme il s'est libéré quand ils ont égalisé. Être à Bâle, pour moi, je répète, même si voilà, j'ai une petite affinité avec IB, avec le public, j'habite à Berne et tout, mais Bâle, c'est quand même le numéro 1 en Suisse au niveau de la popularité. Ça parle foot, ça vit foot. Du matin au soir, les gens te font comprendre que tu es là. Et quand tu es entraîneur, c'est pareil. Tu peux arriver avec une équipe où on te dit, tu auras que des juniors, ils vont te dire, avec ces juniors, tu gagnes le championnat, tu gagnes la coupe. Alors, il l'a dit au début du match, si je me rappelle, qu'il recherchait ça aussi, Alex Frey, qu'il voulait aussi se tester, cette pression de gagner. Donc, évidemment, quand on a des matchs comme ça, contre le premier où ça se passe mal, eh ben, c'est aussi ça. C'est, voilà, c'est, tout point perdu contre ces équipes-là sont un échec au retour avec le bus. Et puis, il faut peut-être accepter certaines critiques. Alex Frey, qui a pu compter ce soir tout de même sur un très bon joueur, Zeki Hamdouni à la pointe de l'attaque, le passeur décisif en l'occurrence sur le but bâlois. On l'a à l'interview. Zeki Hamdouni, un premier point ici à Winterthur face à un club qui n'a pas été facile à jouer. Non, c'est sûr qu'on va dire ils attendaient notre erreur dans la deuxième zone pour ensuite jouer en contre-attaque. Après, je pense que niveau ballon, etc., on avait souvent la balle,
Après, on a eu plus de difficultés en première mi-temps à trouver les espaces entre les lignes. Après, je pense qu'on a eu des occasions, notamment en première mi-temps. Après, on ne se fait pas récompenser où ils marquent sur la seule occasion pratiquement qu'ils ont. Oui, ils ont eu beaucoup de corners, mais la seule vraie occasion qu'ils ont, ils la mettent au fond. Contrairement à nous, on peine à marquer, même moi. Mais on savait que la deuxième mi-temps, elle allait être super importante. L'objectif était clair, c'était de remonter. Et après, bah, on a su remonter au 1-1, mais ensuite, ça a été compliqué de marquer le deuxième. On vous a vu dans deux rôles différents aujourd'hui. En première mi-temps, à la pointe de l'attaque, et puis après, on soutient les attaquants. Où vous donnez l'assise de l'égalisation? Non, c'est sûr que, on va dire que je me sens plus à l'aise en soutien de l'attaquant. Parce qu'on sait que quand on joue en pointe, souvent, on ne touche pas la balle pendant un certain moment. Mais aujourd'hui, je joue, le coach il me demande de jouer et je donne le max. On sent quand même aller une pointe de déception dans le langage, dans les dires de Zeki Hamdouni. Qu'en est-il dans l'autre camp? On écoute tout de suite Thibaut Corbin. Thibaut Corbin, premier match, retour en Super League après 37 ans et premier point contre balle. Oui, c'est magnifique. Je pense que tout le club en rêvait. Et aujourd'hui, de pouvoir rejouer en Super League personnellement et aussi collectivement, c'était contre balle, c'était un bon match. On a vu une très bonne organisation de Winterthur en première mi-temps. Vous avez suivi, je pense, les consignes d'entraîneur de manière parfaite. Vous meniez au score. Deuxième mi-temps, vous loupez des occasions. Il y a presque une petite frustration pour Winterthur. Oui, quand même. C'est sûr qu'on a les occasions en début de deuxième mi-temps aussi de mettre le 2-0. On ne le met pas. Eux, ils ne se sont pas fait énormément d'occasions, mais ils ont été très opportunistes. Ils ont marqué sur leur peu d'occasions qu'ils ont eues. Et puis après, c'est sûr que encore à 1-1, on a une grosse chance de mettre le 2-1. Et après, c'est sûr, il nous a manqué un peu les forces, l'énergie en fin de match pour faire la différence. Mais je pense sur l'ensemble du match, c'est un bon point à prendre. Il y a 8 semaines, c'était la promotion. Depuis, il y a un nouvel entraîneur, des nouveaux joueurs et ça se passe bien. Oui, ça se passe bien. L'équipe n'a pas énormément changé non plus. Donc le groupe reste le même, l'énergie reste la même et c'est ça qui nous aide aussi avec l'euphorie de la promotion. Et on compte jouer là-dessus aussi pour les prochains matchs. Allez, il est l'heure de récapituler ce qu'il s'est passé dans cette première soirée de Super League avec les deux matchs au programme. IB qui a battu 4-0 le FC Zurich, le champion en titre. Il y a eu ensuite, vous venez de le voir, le 1 partout entre Winterthur et Bâle. Demain, les entrées en lice des deux clubs romands avec Servette Saint-Gall et Lugano Sion dès 16h30. Et on va pouvoir passer cette fois-ci à la deuxième division, la Challenge League, avec là aussi des Romands qui sont en lice. On débutait directement d'ailleurs par un derby vaudois, Yverdon, Stade Lozanouchi. On retrouve Stéphane Amoruso pour vous narrer cette rencontre. Le premier des 24 derbys romands prévus cette saison a tenu en haleine les 800 spectateurs présents hier soir au stade municipal d'Yverdon. Les Nord-Vaudois dominent le début de partie face à Stade Lozanouchi. C'est donc logiquement que les joueurs de Marco Schellibaum ouvrent le score dès la 11e minute sur une frappe aussi splendide qu'imparable d'Hugo Farg. À la peine, les stadistes vont tout de même profiter d'un corner pour égaliser sur leur toute première occasion. 40e minute, Aslani botte le ballon qui arrive dans les pieds de Kadima qui ne laisse aucune chance à Kevin Martin. Le Français inscrit son premier but avec le slow pour son 24e match. C'est ensuite une histoire de pénalty qui va rythmer le début de la deuxième période. Tsungi retient Autier sur un corner de la 46e. L'arbitre Tobias Thies n'hésite pas et siffle en faveur des locaux. Korokone s'élance mais va rater par deux fois le 2-1. Ce n'est que partie remise pour Yverdon qui obtient un nouveau pénalty 7 minutes plus tard pour cette faute de Kadima sur Beyer. Un pénalty que l'on qualifiera de généreux, même si le défenseur lausannois ne joue pas le ballon. Beyer va se faire justice lui-même malgré le bon plongeon de Dani da Silva. 2-1, le score ne bougera plus. Yverdon remporte son deuxième succès en 5 matchs de Challenge League contre Stade Lozanouchi. Et il y a un troisième club vaudois dans cette Challenge League, le Lausanne Sport, également relégué de Super League la saison dernière. L'arrivée d'un nouvel entraîneur, Ludovic Magnin, c'est le bon coach pour Lausanne pour retrouver l'élite? Oui, je pense. Quelqu'un de la région qui connaît notre foot, qui sait les efforts qu'il faut faire pour,
pour monter de Challenge League à Super League et surtout qui sûrement va respecter le foot suisse. Là, ce que ça veut dire la Challenge League, c'est pas parce qu'on prend les meilleurs joueurs ou plus d'argent qu'on va le faire s'il n'y a pas les efforts qui sont faits, savoir ce que c'est aller à Schaffhouse, etc. Puis il va amener cette grinta où je l'ai vu plusieurs fois actuer avec Zurich quand il a commencé. Donc pour moi, oui, clairement, c'est le coach qu'il fallait à Lausanne. On parlait de défi avec Alex Frey hein, du côté de Bâle. Là, c'est vrai que pour Ludovic Magnin, aller dans un club qui vient d'être relégué dans sa région, qui plus est, là, le challenge, il est aussi haut. Hein. Oui, il est haut. Et puis, alors là, il y a aussi de la pression. Il faut monter. On a quand même un traumatisme. Hein. C'est une descente, une relégation, ça reste. Ça marque les esprits. Ceux qui restent, les joueurs, il faut se remotiver. Il faut aller rejouer à Schaffhouse. Il faut aller rejouer dans des régions où les stades sont petits, où il n'y a plus la télé. Enfin voilà, c'est une autre ligue qui est compliquée à jouer. Et c'est un gros défi pour Ludo Magnin, mais en tout cas, dans la tête, je pense qu'il est prêt à le relever. Ouais. Eh bien, vous savez quoi, Tiber, on croirait presque entendre Ludovic Magnin dans vos dires, parce qu'on est allé le rencontrer juste avant le début de la saison, avant la première rencontre qui s'est déroulée aujourd'hui. On l'écoute. On voit quand même le manque de confiance. Je veux dire, pour jouer au foot, il faut être confiant, il faut se sentir bien. Et puis, lorsque tu as pris beaucoup de coups, à raison, ils le savent que c'est à raison, mais ils ont pris des coups. Donc, il y a déjà l'aspect mental ou l'aspect dans la tête à gérer. Et lorsque tu as cette blessure un peu en toi, des joueurs blessés, ça peut tourner des deux côtés. Ça peut être très positif, ça peut te permettre d'aller proche de tes limites, mais ça peut aussi être quelque chose que tu tires pendant des mois avec toi si ça ne tourne pas assez vite. Je compare aussi à Altar, j'ai toujours dit, je pense que les 6 premiers mois, enfin, le succès à Altar, ce sauvetage a été plus fait parce que j'ai été plus été psychologue qu'entraîneur. J'espère ici au Lausanne Sport passer très vite du psychologue à l'entraîneur, en tout cas plus vite que ce que j'ai pu faire à Altar. Eh bien, on va dire malheureusement pour Ludovic Magnin, il y aura certainement encore un tout petit peu de psychologie à faire du côté du Lausanne Sport, puisqu'il y avait un premier déplacement aujourd'hui du côté de Bellinzone au Tessin, le néo-promu en Challenge League. Et ça, c'est pas très bien passé, puisqu'il y a eu un seul but, celui-ci marqué par Sergio Cortelezzi. C'est à la 66e minute. On avait un œil sur cette rencontre et honnêtement, Lausanne n'a pas montré grand-chose dans cette partie. Donc, victoire 1-0 de Bellinzone face au LS. Deux autres matchs se sont également joués ce week-end en Challenge League avec la victoire de Schaffhouse contre Thun 1-0 et le match nul entre Arrow et Vaduz. Il restera l'entrée en lice d'un dernier club roman demain, Xamax, qui affrontera Ville à 14h15. Voilà. Prochain studio, ce sera demain avec dès 16h et Alain Rohrbach qui sera en plateau. Je crois que Tiber, vous serez également avec nous sur ce plateau. La rencontre entre Lugano et Sion avec également Servette-Saint-Gall, ce sera dans le même temps. De notre côté, Carlos, on a de la route. Demain, on part sur Lugano. Donc à demain, Carlos. Merci en tout cas à vous deux de m'avoir accompagné pour cette belle soirée. Merci à vous. Et on se retrouve demain pour la suite de cette première journée de Super League. Bye bye.